Salut tout le monde, c'est Mel Janor qui vous retrouve pour sa quatrième et dernière suggestion cadeau de Noël. D'ailleurs, si vous êtes en plein rush de « Oh my God, qu'est-ce que je donne à telle personne, j'ai pas fini mes cadeaux », je vous invite à aller voir mes anciennes vidéos. Aujourd'hui, je vous présente un livre que j'offre à quelqu'un qui est pas nécessairement le plus grand lecteur de l'univers. Puis cette personne, c'est mon petit frère. J'avoue que je l'appelle jamais mon petit frère, même si on a comme presque 7 ans de différence. Et mon petit frère, c'est un fan d'humour absurde qui a besoin de ça un peu pour pouvoir accrocher à un livre. C'est pourquoi je lui offre la bande dessinée Les 500 premiers Cadieux de Xavier Cadieux qui est sorti cette année chez La Mauvaise Tête. Si vous connaissez des gens qui trippent sur ce genre d'humour-là où on comprend pas toujours, mais c'est genre ça qui est parfait, arrêtez de gosser là, puis allez en librairie tout de suite vous procurer ce livre-là. Pas plus approprié que ça comme cadeau de Noël. C'est un livre qui illustre les célébrations un petit peu particulières de la famille Cadieux qui chaque année fête la Saint-Toussaint. Mais la Saint-Toussaint, c'est comme une fête qui n'existe pas vraiment, mais que la famille Cadieux tient à célébrer puis célèbre vraiment fort. Vous pouvez vous imaginer que c'est un petit peu weird. C'est très weird en fait. Et pour la première fois, Xavier, le personnage, va inviter sa blonde Bianca à se joindre à ces festivités. Donne pas ça à ta tante ou à ta grand-mère qui trouve que les Denis de Relais ont pas vraiment de raison de vivre parce que ce qu'ils disent, ça a pas rapport. Faut quand même être dans un état d'esprit où t'es capable de te dire qu'il y a pas tout le temps quelque chose à comprendre pis que c'est ça qui est drôle. Et je connais assez mon frère pour savoir qu'il va vraiment aimer ça. D'ailleurs, il y a beaucoup de références à François Pérusse que mon frère adore. Mais là-dedans, on le nomme François Pérusse. Un peu partout dans le livre, il y a plusieurs petits flashbacks nostalgiques comme ça. À un moment donné, il décrit qu'est-ce qu'il y a dans le sapin de Noël. De la Saint-Toussaint, voyons, de Noël. Il y a la décoration en pâte de sel qui a pris l'humidité. Like la vidéo si tu faisais des petits ornements de Noël en pâte de sel. C'était... Donc en gros, oui, là-dedans, ce que vous allez retrouver, c'est du gros n'importe quoi, mais en fait, il y a comme un petit fond de vérité. Tout le monde qui a un chum, une blonde, va se rappeler le moment où tu dois inviter l'autre dans ta famille, puis là, tu fais tes petites mises en garde. Ouais, tu vas voir, là, on fait ci de même, on fait ça de même, ouais, ceux-là sont un peu weird, attention à ce qu'ils vont dire. Il y a une angoisse, là, mais des deux bords. Il y a la première fois que t'invites l'autre, mais j'imagine que ça doit un peu se reproduire à chaque année, parce que Noël, c'est comme, c'est big. Tout le monde a ses habitudes, tout le monde a ses traditions, personne fête ça de la même façon. Je sais pas si c'est ce qu'on a voulu représenter, c'est peut-être un peu too much, mais je pense que c'est malgré tout un beau portrait de ça. D'ailleurs, quelle bonne idée d'offrir les 500 premiers cadeaux à votre nouvelle flamme. Peut-être qu'elle va trouver que c'est pas si pire que ça finalement dans votre famille à Noël. En terminant, si jamais ça vous tente de me faire un petit cadeau de Noël, laissez des commentaires ici sur mes dernières vidéos. Je vous annonce que la semaine prochaine, je prends une petite pause parce que c'est Noël. D'ailleurs, je vous souhaite de passer du super bon temps, de bien fêter. Y'a-t-il encore du monde qui suit pas mes stories Instagram? Venez niaiser avec moi sur les réseaux sociaux pendant le temps des fêtes et on se dit à la prochaine. Bye!